Mon cher ami, le péage là, c'est une décision de les installer. Par analyse de forme, une décision, les supprimer. C'est tout. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique, on gère les conséquences après. Vous avez compris? Il n'y a rien de technique là-dedans. Et vous savez pourquoi? D'abord, c'est une. C'est un peu une bizarrerie. Hein. Tout le monde dit, Abidjan a innové, là. À l'intérieur d'une capitale, on a vu, rarement vu, des péages dans le monde. Ce soit à la sortie. Généralement. Hein. Dieu sait, c'est un sujet beaucoup circulé hein, dans le monde. Donc c'est une bizarrerie. Moi je veux que la Côte d'Ivoire devienne un pays normal. Mais voyez-vous, deuxièmement, c'est une mesure sociale. C'est une mesure sociale. Voici les deux considérations. Ça aurait un coût. On renégociera le coût. On gérera. Personne ne sera lésé. Mais en tout cas, les citoyens ivoiriens, c'est leur intérêt qui doit primer d'abord. C'est responsable. Ça n'a rien de démagogique. On a vécu quand même à Abidjan sans péage, non? Est-ce que le ciel va tomber sur la tête parce qu'il n'y a pas de péage? Alors, il faut être simple, hein? Pour voir les choses de foi aussi simplement, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Je vais vous dire une chose. Ce troisième pont est conçu depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi-même, quand j'étais gouverneur de la Banque centrale, le projet a été soumis à la Banque Ouest-Africaine de Développement et j'ai participé au financement. En 1997-98. Oui. Avant le coup d'État. Bon, je peux comprendre que le concept a évolué, etc. Je vous dis qu'il n'y a pas un concept qui s'impose de manière différente à un État. Donc, il y a d'autres possibilités. D'autres façons de concevoir, ça c'est bien. Pour le péage sur l'autoroute Abidjan Yamoussoukro, si je n'ai pas d'argent, bon, je viens de Yamoussoukro là, j'avais trois véhicules. Le véhicule dans lequel je suis, le véhicule dans lequel les gendarmes sont, et puis un troisième véhicule pour en cas. Le cas où mon véhicule ne rentre pas. 3 fois 1250. Par deux. C'est ça? Aller-retour. C'est quand même cher. Et voyez-vous, où je passe là, où je passe où? Dites-moi. Si je n'ai pas cet argent-là, je passe où? Par la Yamoussoukro. Donc il faut examiner tout cela. Les inconvénients que cela peut avoir sur les usagers. Moi, ça ne m'aurait pas posé de problème s'il y avait des routes secondaires. En ce moment, on laisse le choix aux citoyens. Toi, tu veux aller vite pour l'autoroute, tu payes. Toi qui ne veux pas aller vite, parce que tu as envie de voir un peu le paysage et tu n'as pas l'argent, tu prends l'autre. Mais quelle est-ce que cette alternative est possible? Donc voilà la raison pour laquelle je vais rendre la vie facile aux usagers.